Eh bien, bonjour à tous. J'ai ici un simple portefeuille d'un côté et de l'autre. Bien. Dans ce portefeuille, j'ai deux cartes. Alors, la première carte a un tarot rouge qui est un 6 de cœur. Donc, tarot rouge, 6 de cœur. Bien. Regardez bien là, il a ici une croix. Je mets le 6 de cœur rouge à tarot rouge au niveau de la croix rouge. Jusque-là, c'est clair. De l'autre côté, ici, j'ai une carte à tarot bleu. Et là, elle représente un roi de pique. Donc, tarot bleu, roi de pique noir. Et celui-là, il va se mettre ici. Au niveau des deux bandes ici bleues. Voilà. Bien. Pour le moment, donc, ce qu'il faut retenir, 6 de cœur rouge, à tarot rouge, dans le compartiment à croix rouge. Et on a le roi de pique noir, à tarot bleu, qui est dans le compartiment bleu. Regardez bien. Je vais faire des gestes simples. Je ferme le portefeuille comme ceci. Je le tiens à la main et je vais compter jusqu'à 6 devant vos yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, sans bouger le portefeuille, regardez bien ce qui s'est passé. Là, je fais des gestes vraiment simplement. Je rouvre le portefeuille, regardez ce qui se passe ici. La carte rouge maintenant, elle est du côté des bandes bleues et la carte bleue, elle est du côté de la croix rouge. Attention, c'est pas encore fini. Vous croyez, vous rappelez que la carte bleue était le roi de pique et la carte rouge était le 6 de cœur, rouge et noir en fait. Là, regardez bien, maintenant, c'est la carte à tarot rouge qui est le 6 de cœur. Regardez bien, tarot rouge, 6 de cœur. Et l'autre carte qui était le 6 de cœur, maintenant, s'est transformée en roi de pique. Les cartes ont changé de place. Et voilà. Moi-même, j'ai rien compris. Allez, à bientôt.